Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, ce matin, je me suis levée comme d'habitude à 6h30. J'ai pris mon petit déj, comme vous le voyez. Et je suis en train de mettre en ligne ma vidéo avant de sortir. Vu que ce matin, j'ai pas le temps de travailler, j'ai un rendez-vous. Comme vous le savez, je vais aller me faire coiffer. Du coup, il faut que je prenne mes extensions, il faut que j'y pense. Mes extensions, la couronne, et voilà. Je sais pas si je dois vous la montrer la couronne ou si j'ai envie de garder la surprise jusqu'à la fin. Parce que bon, mine de rien, c'est un accessoire, c'est pas... voilà. Mais c'est vrai que celle que j'ai prise va faire genre le... enfin, va faire les trois quarts de la chose, quoi. Et bon, bref, on verra après. Donc là, je suis en train d'importer ma vidéo. Je suis un petit peu saoulée parce que... la vidéo n'est pas encore totalement importée, du coup il faut que j'attende qu'elle soit finie pour qu'on puisse éteindre l'ordi. Et ça ne m'enchante pas beaucoup beaucoup. Enfin bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a rendez-vous chez la coiffeuse, maquilleuse, qui va nous maquiller et nous coiffer bien évidemment. En fait ça va être l'essai avant, l'essai en fait pour voir si je valide ou pas, si la technique de la coiffeuse, la manière dont elle me maquille me convient. Et donc à ce moment-là je verrai si je prends cette coiffeuse là ou pas. Et puis voilà, c'est l'objectif de ces rendez-vous là. Sachez que vous avez le droit d'en avoir un. Parce que ne prenez surtout pas comme moi une personne comme pour mes fiançailles. Genre que vous ne connaissez ni d'Adèle ni Neve, vous ne savez pas quel travail elle fait. Donc vaut mieux prendre un rendez-vous à l'avance, avoir un essai. Et de là valider ce qu'il y a à faire ou pas. Donc voilà, bon allez, je pense que je vais mettre ma veste et puis je vais sortir. Bon ben je suis arrivée, j'aime trop l'endroit. C'est pile le genre d'endroit où j'aimerais bien habiter, genre une maison comme ça quoi. Et pas du tout éloignée les unes des autres, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Bon, je me rends à mon rendez-vous et puis je vais reprendre tout à l'heure. Bon, ben voilà, le maquillage il est terminé. Il sera pas exactement pareil, donc non, je vous ai pas montré le résultat. Mais j'aime beaucoup, j'aime trop. Highlighter, s'il vous plaît, regarde. Ça brille. Oh, j'aime trop. Regarde vers le bas. Ouais. J'aime trop. C'est pile ce que je voulais au niveau des yeux, en fait. Quelque chose de très très lumineux. Mais vous inquiétez pas, ça va changer quand même. Hein, c'est pas... mais je suis super contente. Donc là, on va s'attaquer à la coiffure. et voilà. J'étais un petit peu en retard pour pas changer. Et voilà, mais ça s'est super bien passé, je suis contente. Bon allez, à plus, dans le bus. Bon, bah vous êtes sur la voiture là. Je voulais vous montrer un petit peu, ça sera pas du tout... enfin, ça ressemblera un peu à ça, il y aura plus de volume en fait. Et l'arrêt, je pense qu'elle sera pas de côté, mais plutôt au milieu. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, surtout j'aime trop ce côté. Voilà, je voulais un truc un peu à la libanaise. Donc voilà, là j'essaie de trouver mes clés. Pour rentrer et donc voilà, vous avez vu, vous avez même vu la couronne. Bon, elle a un petit peu bougé depuis qu'elle me l'a posée parce qu'on l'a mis là-bas vite. Et voilà, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, ben, je vous retrouve totalement démaquillée. Je peux m'aider le même. Bonjour, bonjour. Hey. Hey, tu viens à peine de commencer le vlog? Non, pas du tout. T'as fait quoi avant? Attends, tire, tire. Non, je suis en train d'enlever ma veste. Il l'aide pas. Voilà, c'est bon. Hey! Hello! Comment vas-tu? Est-ce que ça existe de mettre la clim en plein hiver? Eh ben, on va dire que oui. Là, on est en train de mettre la clim, ce qui fait. Il fait trop chaud, je viens d'enlever ma veste tellement. Ouais. Mais je suis contente, je crois qu'on va rentrer, on va faire du vélo, hein. J'ai trop envie. Je conçois. Voilà, donc aujourd'hui ça va être journée vélo. Donc oui, je me suis démaquillée parce que vous imaginez bien que je peux pas porter 2 tonnes de maquillage comme ça pendant toute une journée alors que j'ai aucune occasion spéciale. Est-ce que c'est lourd? C'est la coiffure qui est lourde. Est-ce que tu sens du poids sur tes joues? Non, c'est la coiffure qui est lourde. Est-ce que tu sens du poids sur tes paupières? Sur mes joues, tu veux dire la graisse là? Ouais. Yes. Bon, ben sinon j'allais vous prendre, mais non. Pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire du vélo. On va aller faire du vélo. Ouais, regardez le temps qu'il fait s'il vous plaît. Bon, les connaisseurs, nous sommes à Sorgue. Ça rien? Sorgue. Comment ça s'appelle? Entraigue, voilà. Entraigue sur la Sorgue. Voilà. Et oh, le poisson. Un poisson qui mange une libellule. En plus, c'est vrai. Donc là, on va
Oui, mais il est toujours pas réparé au cas où. Ouais, ouais, non, mais c'est possible. Les assurances, elles dorment debout. Les assurances, elles dorment. Mais bon. Bon, c'est pas grave, là on va se diriger vers notre petit endroit pour faire notre petit vélo. Ouais. Et voilà. Et en plus, vu qu'hier, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Hier on a mangé quoi? Raclette. Et on a mangé une raclette. Donc je pense qu'aujourd'hui on a bien besoin d'éliminer un petit peu. Ouais, ce un que... peu, ouais, tu vois, un peu brûlé. Parce tout que ça. Hier en fait, la dernière bouchée, j'ai failli vomir tellement j'étais trop remplie. Mais c'est ça la raclette, genre tu manges, t'as faim, et d'un coup t'as plus faim. Mais tu vraiment, comprends pas d'où c'est sorti, tu sais. En plus, moi je venais juste de me resservir du fromage et tout, ouais, genre j'ai raclé et tout. T'as pris ta fourchette et t'as fait ça et tu m'as dit, ah c'est bon, j'en ai pas pris. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible de pas en pouvoir comme ça à tel point. Mais moi ça m'a fait pareil. Mais bon, on aime trop ça. Hein. Ouais, c'est trop bien. Ouais, moi je suis allée faire mon essai maquillage. Ouais. Mais c'est tout. Ouais. Ça s'approche, hein. Mmh. Alors, stressé mmh. Vous me direz, les filles qui sont mariées, est-ce que vos maris ont bougé juste un doigt pour vous aider dans les prestations, pour chercher, pour contacter et tout, juste une fois? C'est le sujet numéro 1 de dispute. Non. Non mais c'est vrai, je crois que c'est vraiment un fait. Mais tous les trucs que j'ai regardé, toutes les filles qui racontaient leur mariage, leur... C'est pareil. Tous les ont dit, par contre les filles ne comptaient pas sur votre mari. C'est normal, tu vois, moi je travaille toute la journée. Tu crois vraiment j'ai le temps d'appeler. Et moi, il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a, je suis... Temps, non mais même, moi je suis beaucoup trop exigeante. Moi si jamais, admettons, j'ai ma belle famille qui me met la main à la patte, eh ben, il y aura peut-être des choses que j'ai pas envie que ça se passe comme ça, vous voyez. Donc on préfère que ce soit nous, enfin moi. Non, moi je préfère que ce soit elle qui le fasse. Parce qu'après elle va être là à dire, ah mais non, mais moi j'aurais préféré, voilà. Ah mais en fait vous avez pris bleu, mais moi je préférais du bleu ciel avec un tout petit peu moins de vert. Ah. Voilà. Genre tu prends un gâteau qui fait 1,5 cm de hauteur, c'est une connerie. Elle va dire, non mais moi je préfère 1,6. Non mais voilà. Le pire c'est que c'est exactement ça. Mais je suis contente, tu crois qu'on peut dire les tons de notre salle, les tons de couleur? C'est quoi les tons? C'est ton froid. C'est assez frais. On peut dire que c'est une salle fraîche. C'est très très frais. C'est, que... on peut c'est dire comme que... nous. On ouais, est... de la plus fraîche, la plus fraîche. Calme-toi, calme-toi. En mode tu commences à faire des plaques. Dubaï, Marrakech. Tu commences à faire des trucs. Je rigole. Tu commences à faire. Mais là, ils vont dire elle a le melon. Elle... Non, mais je rigole. Non, t'es bizarre surtout. On va te faire foutre. Et t'es resté bloqué dans les années. Ah ouais, mais cette musique. Mais c'est un classique. En 2009, il y en a, ils vont dire ah, mais je suis né en 2009, je te dis. Ah, il y a la police! Ils ont la police, on peut dire! Qu'il est con! Attendez, mais je suis contente là, j'ai pu les filmer! Ils ont pas de bouton! Mais en général, quand je passe par ici, ben, je suis toute seule et j'ai aussi mon téléphone dans la main. Et la première chose que je fais, c'est absolument pas les filmer, c'est plutôt. Vous avez pas vu, mais lui il l'a vu, c'est essentiel! Vas-y, je rentre. Bon, je suis comme ça. Ouais. Elle a tourné dans les plus grands films hollywoodiens. Je peux pleurer et tout. Vas-y, pleure. En mode lance. Elle a tourné dans les plus gros films hollywoodiens. C'est abusé quand même. T'arrives à faire des expressions comme ça. Vas-y, fais la fille timide. Vas-y, attends. Comme je t'ai fait la dernière fois, fais l'asiatique qui fait des expressions. Donc là, t'es heureuse. Là, t'es triste. Là, t'es joyeuse. Okay. Bon, on vous reprend, du coup on est allé faire du vélo. On va faire du vélo. On est allé faire du vélo. Oui. Voilà, elle m'a volé ma veste parce qu'elle avait froid, alors qu'il fait super chaud. Oui, mais toi t'as une gros pull, moi j'ai une petite veste, j'ai un petit pull. Donc voilà, on va faire... On va faire du vélo, et les gens en fait donc maintenant une fois du vélo en été. Genre vers 19h-20h, c'est trop bien. Voilà. Donc voilà, on va faire du vélo et on vous reprend tout à l'heure. Bon, ben on se retrouve. Ouais. On a fait combien de kilomètres? Ouh, on a fait 20 bornes, 20 kilomètres. En 1h30 quand même. Hein, pas mal. Oh, tu l'entends? Grave, mais en fait j'ai senti que l'allée il était plus court que long. Plus long, c'est plus normal, long. On s'amusait, on roulait un peu moins doucement. Ouais. Enfin, un peu plus doucement. Pardon. On a vu des chèvres sur le retour, on s'est arrêté genre un quart d'heure. Ouais, on est en train de les regarder et chèvres, ouais. C'est intelligent une chèvre en vrai. Je te jure, parce qu'il y a une chèvre, il y a une petite chèvre. En fait, il y a trois petites chèvres et une maman chèvre. Oui. Il y a une des petites chèvres qui était blanche, elle a frappé une chèvre noire. Ouais. Du coup, elles se sont mises à se battre. Et la maman chèvre, elle a séparé. Et devinez ce qu'elle a fait?
Elle est allée redresser la planche qui a cherché la merde un peu. Ouais. Genre lui mettait des coups de corne. Elle disait bouge pas. Ouais, et genre je vous jure, elle s'est mise devant elle. Et de temps en temps, elle regardait genre comme ça ce qu'elle faisait. C'est trop chou. Moi je veux une chèvre. Et vous savez mon rêve? C'est d'avoir une maison avec un grand enclos, avec des oies, des poules, des chèvres. Naines. Des chèvres naines, parce que j'aime trop ça, je trouve ça trop chou. Que ça saute partout et tout, c'est plein de vie une ouais. Chèvre naine. Je sais pas, je vous invite à regarder les vidéos sur internet, c'est trop chou. Et voilà, donc là on va rentrer tranquillement. Ouais. En espérant pas faire tomber de vélo parce que comme vous voyez, le coffre il est entrouvert. Mais c'est normal, petite voiture. Ouais. On aurait dû prendre la tienne. Ouais. Sauf que la mienne, non? Elle est malade. Ouais, elle est malade. Elle est chez le médecin. Voilà. Voilà. Bon. Allez, on va se reposer tranquillement et puis je vous reprends tout à l'heure.